Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Youssef Benderbal pour évoquer la situation humanitaire à Gaza. Bienvenue Youssef Benderbal. Bien, merci. Alors, vous êtes responsable de la communication au sein du CBSP. Donc vous connaissez particulièrement bien la situation à Gaza. Alors, quel est le premier bilan que vous avez suite au bombardement intensif de l'armée israélienne sur Gaza? Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment une situation catastrophique. À l'heure où je vous parle, la population de Gaza est totalement livrée à elle-même. Depuis le 8 juillet, vous avez des bombardements incessants, de jour, de nuit. Vous avez le nombre de morts s'allonge malheureusement. Il fallait s'y attendre. Quand des bombes tombent sur des populations civiles, c'est sûr que ça cause des dégâts considérables, mais aussi des pertes humaines. Et il faut dire que c'est terrible. C'est terrible. Je n'ai pas de mots là, à l'heure où je vous parle, pour qualifier cette situation. C'est une situation à laquelle nous avons été confrontés par le passé. Nous avons tous en mémoire ces images horribles d'enfants calcinés, de corps déchiquetés suite au bombardement en 2009, opération Plomb Durci, en 2012. Et là, en 2014, l'horreur est de retour. Et c'est vraiment, pour nous, en tant qu'humanitaires, c'est des situations insupportables de voir une population ainsi bombardée. Il faut savoir que Gaza, c'est un territoire minuscule de 360 km². C'est le lieu le plus densément peuplé au monde. Et lorsque vous avez une bombe qui tombe, sûrement, pas de doute, cela va causer des pertes civiles. Donc, c'est vrai que la situation, là, à l'heure où je vous parle, le bilan est de plus de 70 morts, 70 victimes, et plus de 700 blessés. Et malheureusement, c'est le cas, ce bilan-là peut être revu à la hausse au vu de la poursuite des bombardements. Alors, les hôpitaux croulent sous le nombre des victimes? Alors les hôpitaux croulent bien entendu parce que les blessés affluent et ils ont tiré la sonnette d'alarme. Vous n'avez pas plus tard qu'hier l'hôpital Shifa, qui est un grand hôpital de Gaza, qui dit, ce sont ces mots, qui n'a plus la capacité de soigner les blessés qui viennent au vu du manque de médicaments déjà. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gaza est sous blocus depuis 2007. Et ça a généré des pénuries de toutes sortes au niveau des médicaments, au niveau des produits médicaux. Et ça a créé une sorte de détresse effroyable, car pour un médecin, pour une équipe médicale, ne pas avoir les moyens de soigner, c'est vraiment quelque chose d'insupportable. Ils ont alerté le monde, ils ont alerté la communauté internationale. Nous avons nous-mêmes entre nos mains des listes de médicaments, des listes de produits de première nécessité, et de produits médicaux plutôt. Et devant cette nécessité-là, je pense que le monde a trop traîné, car on ne peut pas laisser, au nom de quel droit, au nom de quelle logique, de quel dogme, de quelle religion, de quel je ne sais quoi, peut-on laisser des êtres humains souffrir ainsi? Donc Gaza manque de tout. Les bombardements, il faut également le rappeler, ont également visé des infrastructures électriques. Et Gaza est privé d'électricité, mais également de carburant. Tout à fait, tout à fait. Cette situation-là n'est pas nouvelle. Gaza, comme je l'ai dit, souffre de nombreuses pénuries au niveau d'électricité. Cela met les coupures fréquentes d'électricité, mettent en danger la vie des patients qui sont dans les hôpitaux. On a beau avoir un générateur électrique, mais lorsqu'il manque de carburant, avec quoi allez-vous le faire marcher? Donc c'est une accumulation de défaillances qui font que la population Gaza, à l'heure où je vous parle une fois encore, est vraiment en totale détresse. Et c'est à nous, en tant qu'association humanitaire, mais pas uniquement les associations humanitaires, car nous n'avons pas ce pouvoir de faire cesser, hélas, ces horreurs, car il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est vraiment des horreurs, des atrocités. Nous avons vu les images qui nous parviennent de nos correspondants locaux, et je peux vous dire que c'est des images terribles.
De loin, on voit que c'est des explosions, énormes d'ailleurs, mais de près, lorsqu'on s'approche, vous avez des enfants, vous avez des femmes, vous avez des hommes, des personnes âgées qui sont dans un état lamentable. Certains ont perdu la vie, d'autres sont mutilés. J'ai vu moi-même cette photo d'un enfant avec les jambes vraiment arrachées. C'est une photo qu'un collègue m'a montrée dès que je suis venu au travail. Donc vous voyez là, c'est vraiment quelque chose d'affreux. Et en tant qu'humanitaire, une fois encore, on ne peut pas supporter. On peut supporter une souffrance due à la pauvreté, due à la famine et encore, mais là, une souffrance qui découle de bombardements, ça crée vraiment des images horribles. Et comment justement parvenez-vous à travailler en tant qu'association humanitaire du fait du blocus ? Alors c'est pas évident. C'est pas évident parce que ce qu'on regrette dans l'histoire, c'est que l'activité, l'action humanitaire soit entravée. Nos partenaires locaux le disent. C'est pas facile de circuler lorsqu'on est à Gaza, car si un camion, parce que là nous sommes en pleine période de Ramadan, justement, circule, il peut être pris pour les drones comme étant un camion transportant telle ou telle marchandise ou autre, et il peut être visé. Donc nos partenaires, une fois encore, font un travail vraiment remarquable. En temps normal, ils le font vraiment, c'est difficile de travailler avec le blocus parce que vous avez, comme on l'a dit tout à l'heure, des pénuries de toutes sortes. Mais là, pour le coup, c'est pas évident dans la mesure où vous avez les bombardements qui se poursuivent et la nuit et le jour. Mais ils arrivent quand même, entre deux bombardements, si je puis dire, d'aller secourir les victimes. Et nous, ce qu'on fait sur place, c'est vraiment un travail de proximité, car nous avons un bureau depuis longtemps, nous sommes présents à Gaza depuis la création du CBSP, cela va faire 25 ans que nous sommes sur le terrain. Et nos partenaires locaux, au final, ce qu'ils nous disent, c'est vraiment aidez-nous, ne nous laissez pas seuls, car ils ont vraiment besoin de cette solidarité. Qui doit s'exprimer là, maintenant, dans justement, ce moment. Alors, que faire pour aider les Palestiniens ? Alors, que faire, c'est simple, donner. Donner ce qu'on peut, il ne faut pas sous-estimer le montant qu'on donne. On donne selon ses moyens, on donne selon son cœur, on donne selon sa générosité. Et une fois encore, le CBSP, avant même que cette situation dramatique se passe, a débloqué, avait engagé pour la campagne Ramadan 500 000 euros. 500 000 euros pour mener à bien sa campagne Ramadan, que ce soit à Gaza, Cisjordanie et dans les camps de réfugiés du Liban et de Jordanie. Nous avons fait mieux qu'en 2013, car en 2013, nous avons débloqué 430 000 euros. Donc là, cette partie de Ramadan, elle est assurée. Dommage que ça nous fait mal au cœur de voir que, au lieu que des personnes reçoivent des colis, ils reçoivent des bombes. Nous faisons tout justement pour que les personnes en détresse sentent cette solidarité, car à l'heure actuelle, c'est ce dont ils ont besoin le plus, d'être soutenus. Et nous avons lancé un appel d'urgence qui s'appelle SOS Gaza, justement. Donc toutes les informations sont sur votre site. Elles sont sur notre site www.cbsp.fr et les gens peuvent donner justement pour aider cette population qui n'en peut plus de souffrir et qui souffre toujours au vu et au su du monde entier. Et il serait temps que le monde prenne ses responsabilités, car une fois encore, c'est vraiment un appel d'urgence, un cri d'alarme. Il y a plusieurs tragédies qui se passent dans le monde, en Syrie, à Gaza. Mais ceci étant dit, il ne faut jamais se sentir impuissant. Il faut toujours agir avec le peu qu'on a. Faire connaître notre association qui œuvre sur le terrain depuis 25 ans, par tous les moyens, que ce soit sur les réseaux sociaux, Twitter, on sait que ça a un pouvoir, que ce soit sur Facebook, donnez, agissez, mais jamais ne baissez les bras. Car les Palestiniens, c'est eux qui nous donnent la leçon. Avec tout ce qu'ils endurent, ils ont cette rage de vivre, cette rage de vaincre, cette rage de continuer, malgré tout, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Merci Youssef Benderbal. C'est moi qui vous remercie. Donc à très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.